Excusez-moi, vous êtes le gardien ici? Oui. J'étais en train d'admirer le jardin. Vous avez des plantes extrêmement rares. Je n'ai jamais vu de perles roses aussi belles. Comment connaissez-vous la perle rose? Quand je suis en voyage d'affaires, j'aime collectionner les plantes exotiques. Il y a quelques années, j'en ai rapporté. Elles poussent assez bien dans ma serre, mais elles ne sont pas aussi belles que celles-ci. Vous avez d'autres plantes que je ne connais pas. Comment appelez-vous cette variété? C'est un théier de Nouvelle-Zélande. Est-ce que je peux faire des photographies? Bien sûr, je vous en prie. Voulez-vous entrer et visiter le reste du jardin? Avec plaisir. Dans le jardin où j'ai monté, à l'heure douce de novembre, je me rends seul pour rencontrer celui que mon cœur adore. Ah, vous savez soigner les détails. Merci. J'ai appris ça de mon père. Et il y a d'autres jardiniers qui vous aident ici? Oh non, je fais tout seul. Tout seul? Mais c'est énorme! Vous ne vous sentez jamais débordé avec tout ce qu'il y a à faire? Parfois, mais alors je me souviens de toutes les améliorations qu'il y a déjà eues. Et je monte ici. Mais ce que je préfère, c'est quand le propriétaire vient. Il se tient ici. Quand je vois comme il est satisfait, alors, je me dis que ça vaut la peine. Attendez, je comprends pas. Le propriétaire n'habite pas là? Non, mais il vient de temps en temps. C'était quand la dernière fois? Il y a 2 ou 3 ans. Et il vous dit quand il vient? Non. Eh bien, pour quelqu'un qui ne sait pas quand il vient, vous entretenez bien les lieux. On croirait que vous l'attendez pour demain. Non. Aujourd'hui, monsieur. Aujourd'hui.